Taï est une commune touristique du littoral de 4600 habitants qui possède un sentier accessible depuis 1996. La commune a prolongé cette accessibilité depuis le centre-ville jusqu'aux plages en traitant sur le parcours d'environ 2 km l'ensemble des éléments constituant la chaîne de déplacement. La voirie, les espaces publics, les ERP, les transports et les services. Un travail de coordination avec la métropole a permis la mise en accessibilité des points d'arrêt des transports et de leurs équipements en mobilier urbain de repos, de propreté et de sécurité. Les cheminements piétons le long du littoral ne sont pas autorisés aux deux roues motorisées, mais restent accessibles aux utilisateurs de fauteuils roulants et aux personnes avec poussettes ou voitures d'enfants. Un soin particulier a été apporté au revêtement de sol pour garantir l'accessibilité du parcours aux personnes aveugles ou malvoyantes par des contrastes visuels complétés par des bordures ou des espaces verts. Ce projet a visé tout autant l'accessibilité à la plage que l'accessibilité aux pratiques sportives et de loisirs pour tous. Les fauteuils de type tiralo permettent aux utilisateurs de fauteuils roulants d'accéder à la baignade, aux activités de voile et aux autres infrastructures accessibles. De nombreux événements sportifs accessibles à tous sont maintenant organisés chaque année.